montagne. C'est bon ça, c'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au groupe musical. C'est vrai que j'étais en train de finaliser mon test. J'ai failli baisser pour venir danser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais aussi dire merci à Papa Kojo pour la direction du culte. Si vous avez remarqué, on part à une autre dimension. Hein. Chacun est à sa place, chacun est dans sa position. Alléluia. Jésus. Donc après toi, tu ne sais pas si c'est toi qui seras désigné pour la prochaine fois. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit faire sortir les dons qui sont cachés en toi. Amen. 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 Donc maman Marie, je ne serais pas étonnée si tu reçois mon coup de fil dans la semaine. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui est caché en toi. Amen. J'en vais redire ça. Parce que quelque chose là, c'est pas si c'est mauvais ou si c'est bon. Dis, il y a quelque chose de merveilleux qui est caché en toi. Il y a quelque chose de merveilleux qui est caché en toi. Amen. Amen. Donc il faut que tu mettes ça au service. Il faut que tu mettes ça à notre service. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que les dons que le Seigneur fait à ses enfants, c'est pour l'édification du peuple. Alléluia. Amen. Il y a un don qui est en toi qui, quand il n'est pas manifeste, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas bénéficier de ce don-là. C'est pas bon. Amen. Amen. Tu ne manifestes pas le don que Dieu a mis en toi. Il va utiliser quelqu'un d'autre à ta place. Amen. Alléluia. Il ne va pas t'enlever ton don. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Quand il te fait un don, le don est là. Amen. Amen. Ça dépend de toi de travailler ce don-là et puis de le mettre en exergue pour l'édification du peuple. Si tu ne l'utilises pas, si tu ne mets pas ça au service du peuple de Dieu, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre à ta place. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une vérité. Hein? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, je profite pour faire une parenthèse. Les serviteurs de Dieu, quand vous décelez un don dans un enfant de Dieu, aidez cet enfant de Dieu-là à mettre ce don en exergue. N'étouffez pas le don de cet enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous étouffez ça, Dieu va déplacer la personne pour l'envoyer quelque part d'autre, pour qu'il soit une bénédiction pour cet endroit-là. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Et assez, c'est notre but, c'est que chacun de nous soit capable de prêcher Jésus-Christ de Nazareth, d'annoncer Jésus à quelqu'un, alléluia, de rentrer dans le camp de l'ennemi et d'arracher les âmes qui sont tenues en captivité pour les envoyer dans la bergerie du Seigneur, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceci dit, partage la vidéo pour sauver quelqu'un. Amen. Amen. C'est ce que j'essaie de faire, mais j'ai un peu de difficulté. J'essaie de mettre au moins la vidéo sur ma page pour que ma famille partout dans le monde puisse suivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. À travers toi, quelqu'un peut être sauvé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Satan est vaincu, je n'arrive pas à partager la vidéo. Alléluia. Amen. 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 Et nous avons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas baisser la tête. Prie pour que la parole de Dieu te fasse du bien. Alléluia. Amen. C'est vrai, Papa Kojo a déjà prié. Mais tu vas prier quand même de manière personnelle. Parce que cette même parole-là, elle peut être la même que tout le monde entend. Mais les effets peuvent être différents dans le cœur de chacun en fonction de ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir un rhéma différent de ton voisin. Alléluia. Prions ensemble, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci Père Dieu Tout-Puissant, tu as dit l'homme ne va pas seulement se nourrir de pain et d'eau, mais aussi de la parole de Dieu. Seigneur, que cette parole que nous allons écouter maintenant, l'Éternel Dieu mon roi, que je sois effacé Père Dieu Tout-Puissant, que tu m'utilises juste comme un simple canal, l'Éternel Dieu mon roi, que l'humilité soit mon manteau, afin que la gloire te revienne à toi seul Jésus. Ouvre notre entendement. Ouvre les oreilles de notre cœur, Éternel Dieu, mon roi, afin que cette parole nous fasse du bien. Nous sommes venus, Père Dieu Tout-Puissant, comme Père Dieu Tout-Puissant, un conducteur qui envoie, Père,
sa voiture, Père Dieu Tout-Puissant, la station d'essence, pour remplir sa voiture d'essence, pour pouvoir continuer, oui, dans la semaine. Saint-Esprit de Dieu, ta parole, Seigneur Jésus, ta parole, aide le sens pour nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Remplis-nous de cette parole ce soir. Touche-nous de manière particulière avec cette parole ce soir. Qu'elle nous fasse du bien, Éternel Dieu Mon, et que nous, surtout que nous la mettions en pratique, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je lis toutes les puissances de distraction, les puissances de lourdeur, de sommeil. Ô Dieu Tout-Puissant, toutes ces puissances, nous les envoyons dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, merci. Toutes les puissances ténébreuses sont liées maintenant. Les démons, Père Dieu Tout-Puissant, de paresse sont liés d'avance. De sommeil sont liés d'avance au nom de Jésus. Tout esprit qui cherchera à voler la parole aux oreilles des enfants de Dieu, l'Éternel, nous le disons silence en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis le nom du Seigneur et nous allons commencer. Si vous avez remarqué, nous avons fait beaucoup de préliminaires sur la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons beaucoup enseigné sur comment est-ce que nous devons nous préparer avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous commençons cette série-là en tant que telle. Alléluia. Amen. Voilà, nous commençons cette série-là et je pense qu'elle va être divisée soit en deux ou trois prédications si le temps permet. Alléluia. Amen. Si le Seigneur permet. Donc, pour cette nouvelle série, Jésus revient bientôt. Le titre de ce matin, le thème de ce matin sur cette série-là, c'est effectivement Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Voilà. Le deuxième enseignement peut être un titre différent. Alléluia. Amen. Mais cette série commence aujourd'hui par le thème suivant. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Nous avons marqué cette année-là, cette année 2021, comme une année d'un réveil spirituel radical. Alléluia. Amen. Et nous avons donné la raison. Nous avons dit parce que quoi? Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Et si on a donné cette connotation à cette année, il y a une raison pour laquelle nous l'avons fait. Si Jésus revient bientôt, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, si tu dis qu'il y a des gens que tu aimes, si tu les aimes, il faut leur parler du retour de Jésus. Il faut leur parler de Jésus. Même pour son retour d'abord. Alléluia. Il faut leur parler de Jésus. Débrouille-toi avant la fin de l'année pour évangéliser au moins une âme. Mets-toi au défi. Une seule. Alléluia. Amen. Une seule âme. Dieu n'est pas compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Il nous a créé, c'est vrai, la première raison pour laquelle il nous a créé en tant qu'être humain, c'est de l'adorer. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous l'adorons. Alléluia. Amen. Mais pour que le prix que Jésus-Christ a payé à la croix ne soit pas vain, il faut que nous allons vers les âmes qui sont tenues en captivité. Il faut que nous ayons la compassion des âmes. C'est à cause de la compassion, c'est à cause de l'amour que Jésus est allé à la croix. Alléluia. Amen. Amen. Si les disciples avaient gardé ça pour eux, nous ne serions pas convertis aujourd'hui. Alléluia. Cette église n'aurait pas existé. Amen. Donc il faut que nous continuions cette mission-là, qui est de faire cette grande mission-là, qui est de faire de toutes les nations, quoi, des disciples. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Donc, ceci dit, notre titre aujourd'hui, c'est Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Nous aurons une série de tests. Nous n'allons pas tout lire. Et ce que nous n'avons pas pu lire, ça va te permettre d'étudier à la maison avant la prochaine prédication. Alléluia. Amen. Avant la deuxième partie de cette série-là. Nous avons Luc 21, verset 11. Luc 21, verset 26 à 28. Même Luc, verset 21, verset 31 à 36. Amen. Amen. Et enfin, Luc 17. Versets 28 à 30. Amen. Amen. Tu
Tu peux aussi noter Matthieu 24, versets 30 à 31. Amen. Luc 17, versets 28 à 30. Luc 17, versets 28 à 30. Et je dis aussi de noter Matthieu 24, versets 30 à 31. Alléluia. Amen. Ceux de nous n'ont pas pu parcourir, nous le ferons la prochaine fois que je vais prêcher. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Papa Kojo, notre aspirant pasteur, la dernière fois. Sa prédication m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Voilà. On s'est entretenu, on a fait certaines corrections. Mais ce que je voulais souligner, moi j'ai retenu quelque chose qui m'a touché dans ce qu'il a dit. Amen. Il a dit, si tu es pressé dans tes activités, si tu es pressé pour te marier, tu épouses un garçon. Amen. Amen. It's deep. Et il a dit, si tu attends le temps de Dieu, tu épouses un homme. Alléluia. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une différence. La seule différence, c'est la maturité. Amen. Amen. C'est la maturité. C'était très profond. Moi, j'ai noté ça. Amen. Amen. Voilà. Ça m'a inspiré. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut apprendre de vous, des pasteurs peuvent apprendre de vous, même un saint chrétien peut donner une exhortation. Et puis, une personne que vous pensez qu'elle est plus, a plus d'onction que vous, peut avoir un rhéma à partir de ce que Dieu fait à travers vous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. C'est pour encourager les enfants de Dieu. Amen. Ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. Amen. 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 Ceci dit, nous rentrons en plein dans votre tête, je lis la parole de Dieu. Nous allons aller dans Luc 21, verset 11. Amen. Amen. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Amen. Je lis dans Luc 21, verset 26 à 28. Les hommes rendant l'âme de terreur en attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. 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 Nous allons rester dans le même et on va sauter au verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que le jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de toute la terre. Verset 36, très important. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Ces textes que nous venons de lire dans leur chronologie nous montrent que nous sommes en train de vivre en ce moment les signes qui annoncent presque la fin des temps. Alléluia. Amen. J'ai ajouté presque, je peux dire la fin des temps, j'ai ajouté presque parce que la parole de Dieu a dit, c'est-à-dire Jésus lui-même a dit que le temps est inconnu. Alléluia. Amen. Voilà. On ne sait ni le jour, ni l'heure à laquelle ça va se passer. Amen. La fin, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Amen. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous a fait une promesse. Jésus nous a promis qu'il part auprès du Père. Et là-bas, il va préparer une place pour nous. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit, je pars quelque part, je vais préparer une place pour toi et que je reviens. Si c'est un être humain, tu peux dire, bon, parfois il ne tient pas ses promesses. Amen. Amen. Si c'est un homme ou bien une tante, ou bien bon, tout ce que tu peux penser, parfois les êtres humains ne tiennent pas leurs promesses. Amen. Amen. Pas tous, hein, mais il y en a qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc tu peux même, ça peut te permettre de douter un peu. Alléluia. Amen. 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 Mais quand Jésus,
C'est de Jésus on parle, c'est de Jésus-Christ là. C'est-à-dire que celui-là même qui a pris nos péchés à la croix, celui-là qui nous a aimés plus que tout et qui s'est donné à la croix, son sang coulé, il a payé pour toutes nos maladies à la croix. Et c'est celui-là qui te dit, écoutez-moi bien, c'est celui-là même qui a vaincu la mort. Amen. Il a vécu la mort et il est venu nous a remis la clé de la vie éternelle. Et c'est celui-là que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur qui te dit, je pars auprès du Père pour te préparer une place et je reviendrai pour prendre mon église. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun doute. Pour un enfant de Dieu, pour un chrétien averti, ça, tu ne dois pas avoir de doute. Amen. Amen. Aucun doute. Tes collègues, tes amis, tes parents, ceux qui sont autour de toi peuvent douter. Mais en tant qu'enfant de Dieu averti, tu ne dois avoir aucun doute. Amen. 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 Au cas où tu as un doute, c'est le but de cette série-là. Alléluia. Amen. C'est une série qu'il faut bien suivre. Parce que c'est depuis l'année dernière que le Seigneur m'a mandaté de prêcher sur son retour. Amen. Sans savoir même que le serviteur de Dieu allait aller auprès du Seigneur. Donc je vais demander, j'ai dit, mon Seigneur, quand le moment viendra, fais-moi signe. Et le signe m'a été donné non seulement vers la fin de l'année, mais j'ai un fils spirituel de prophète qui m'a appelé de l'Europe. Il m'a dit, maman, j'étais vue en train de prêcher. Et le Saint-Esprit, quand je me suis levée, j'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit, dis à ma servante qu'il sera temps bientôt pour qu'elle prêche sur mon retour. Alléluia. C'était la confirmation. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si un serviteur de Dieu a une révélation sur toi, bien il a une prophétie, il y a une prophétie qui est sortie, la prophétie ne doit que confirmer ce que Dieu lui-même t'a déjà dit en privé. Alléluia. Amen. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans les pièges des gourous. Amen. Des gens qui se disent, choquant après sa serviteur de Dieu, mais qui sont cachés dans des peaux d'agneau alors que ce sont des loups. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les derniers temps, ça fait partie des signes des derniers temps. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Donc, comme je vous disais ici, tous ces signes-là qui sont en train de montrer les signes sont là. Amen. Amen. Il y a plus de souffrance dans ce monde même qu'avant. Alléluia. Il y a tellement de souffrances que beaucoup sont dépressifs, beaucoup sont anxieux et beaucoup sont paralysés par la peur. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Une série importante, donc il faut que vous m'entendez bien. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, comme je disais tantôt, les signes sont là, les signes sont présents. Il y a plus de maladies qu'avant, des maladies même dont on n'a jamais entendu parler. Alléluia. Les gens sont paralysés de peur. Les gens sont paralysés par la, comment on appelle ça, par la terreur, par la crainte. Il y a beaucoup de maladies mentales. Vraiment, il y a des choses qui n'existaient pas dans le monde avant qui deviennent de plus en plus fréquentes. Alléluia. Voilà, et ça rend les gens dépressifs. Sans même le meilleur exemple, même c'est COVID-19. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que quel que soit ce qui se passe, quel que soit le genre de maladie qui se propage, les pandémies qui se propagent en ce moment dans le monde, ça n'empêche pas que Jésus demeure Seigneur. Amen. Il n'y a pas une maladie que Jésus n'a pas vaincue à la croix de Golgotha. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui devait exister ou bien qui existe que Dieu n'a pas permis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui vivent selon son dessein. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est que malgré tout ce qui se passe, il faut que tu demeures dans la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu demeures sous les commandements de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que tu as compris ça, la peur ne peut pas être ton partage. Je vous dis pourquoi. Parce que la parole de Dieu vient de dire ici que lorsque ces signes-là vont se faire sentir, de ne pas faire quoi? Quand ces choses commenceront, verset 28 du chapitre 21 de Luc, verset 28 dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Votre délivrance arrive. C'est une manière de dire que pendant les moments où les choses vont commencer à s'empirer de plus en plus, lorsque ce monde-là va commencer à devenir presque invivable, c'est là que Jésus va venir chercher son Alléluia. Église. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ce soit clair dans nos têtes. Donc, en temps normal, là, si tu vois ces choses-là, tu ne dois pas t'inquiéter. Au contraire, tu dois te réjouir. Tu dois dire, ah Seigneur, c'est que vraiment ton
ton temps est proche. Amen. Tu dois te réjouir parce que tu sauras que tout cela, si vous pensez que les temps sont mauvais maintenant, mais qu'est-ce qui va venir après? Amen. Lorsque Jésus va venir pour enlever son église, ce sera une tribulation sans pareil qui va rester sur la terre. De la même manière, nous, on va aller se réjouir avec notre Seigneur. On va aller prendre le repas dans son royaume. Pendant ce temps-là, sur la terre. Si vous pensez qu'il y a des difficultés en ce moment, mais ce sera pire. Pire, c'est ce qui a été décrit ici. Amen. On dit les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Amen. Ça dit que tout sur la terre ici là sera ébranlé. C'est là que ça dit qu'une fois que Jésus nous prend, Satan va régner. Si vous pensez que Satan règne maintenant, ce règne de Satan en ce moment-là, ce n'est rien. Mais une fois que Jésus va prendre son église, la vérité est que tous ceux qui vont rester sur la terre là, ils vont souffrir. Ils seront sous l'emprise totale de Satan parce que Jésus aura pris ses élus. Alléluia. Mais ça nous rappelle une même scène dans l'Ancien Testament. Amen. C'était pareil. Lorsque Noé était en train de construire chose l'arche, quand il prévenait les gens, quand il parlait, mais les gens étaient en train de vaquer leurs occupations journalières. Aller gazer, aller boire, aller dans les fêtes et tout ça, aller au travail, former des familles, former une famille, ce n'est pas mauvais. Mais si tu fais tout ça, et que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, lorsqu'il va venir, tu vas rester ici. Et tu vas vivre sous l'emprise de Satan. Une emprise sans pareil. Une emprise qui sera maintenant officielle. Parce que les élus de Dieu ne seront plus ici-bas. Alléluia. Nous allons partir avec Christ. Et nous allons rester avec lui pendant 7 ans. Et pendant ces 7 années-là, pendant que nous serons en train de nous réjouir avec lui, sur la terre ici, Satan sera en train de se réjouir de maltraiter ceux qui sont restés, ceux à qui il a menti. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais tout pour ne pas rester. Alléluia. On doit aller ensemble dans la gloire de Dieu. Puisqu'il a dit, je vais pour vous préparer une quoi? Une place. Aïe. Si Jésus t'a donné une maison ici, il t'a donné une voiture, il t'a fait la grâce d'avoir une femme, il t'a fait la grâce d'avoir un mari, il t'a fait la grâce d'avoir des enfants. Ça, c'est sur la terre ici. Amen. Sur la terre, il y a des gens qui sont riches, sont pareils. Amen. Tu penses que tu vis la gloire de Dieu en ce moment, mais attends qu'on soit au ciel où on dit que les rues sont en ordre. Alléluia. Amen. Moi, je suis pressé de voir ma maison là-bas et quand Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Amen. Fais tout pour mon voisin. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y aura quartier CDC. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ça vous mentir, lorsque vous lisez la Bible est remplie de prophéties. Tout au long de la Bible, à travers toute la Bible, c'est rempli de prophéties sur le retour de Jésus. Amen. Rien n'est caché. Si Jésus même parlait en parabole, ou bien si la Bible est remplie de prophéties sur le retour de Jésus, mais comment est-ce qu'on doit convaincre encore quelqu'un que Jésus revient bientôt? Alléluia. Amen. Donc si vous parlez de Jésus à quelqu'un et que la personne n'accepte pas Jésus, au moins vous aurez fait votre part. Alléluia. Au moins vous aurez fait votre part. Maintenant, vous qui avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il faut demeurer dans les voies de l'éternel. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Jésus, Jésus, qui vont partir avec moi. Alléluia. Il y en a qui dit Jésus au bout des lèvres. Amen. Quand il a dit de discerner le corps de Christ, c'est la vie. Si nous tous là, nous formons le corps de Christ, hein? Maman Jeanne peut être le nez de Jésus. Amen. Papa Naïm peut être le bras de Jésus. Alléluia. Amen. Maman Daniel peut être la tête de Jésus. Donc on dit de discerner le corps de Christ, c'est l'amour. Amen. C'est de s'aimer les uns les autres. L'amour, c'est le plus grand commandement qu'il a laissé. Les autres commandements là, hein, sont sous le parapluie de l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas mettre les 10 commandements en pratique. Amen.
peux utiliser la femme de ton frère. Mais si tu aimes ton frère, ce qui lui appartient là, hein, tu ne dois pas convoiter ça. Alléluia. Donc vous êtes d'accord avec moi que l'amour là, ça prédomine. Alléluia. Tout ce que nous faisons là, hein, c'est sous le parapluie de l'amour. La Bible là, hein, c'est l'amour. Des Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'amour de Dieu pour nous. Donc le minimum qu'on peut faire, la plus petite reconnaissance qu'on peut apporter à Dieu le Père, c'est d'accepter son Fils Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Pour que le prix qu'il a payé à la croix de Golgotha ne soit pas vain. C'est par amour que Dieu a donné son Fils unique. Amen. Donc qu'est-ce qui est compliqué dans ça? C'est-à-dire, je suis en train de simplifier cet enseignement-là. Alléluia. Merci Seigneur. Donc comme je vous disais, les prophéties sont faites pour quoi? Elles sont faites pour nous prévenir. Elles sont faites pour nous avertir. Et puis elles sont faites pour nous édifier. Amen. Donc ce n'est pas pour vous faire peur. En général, quand les gens entendent, oh c'est la fin des temps. Les gens entendent, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Les gens paniquent. Même des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour que tu aies peur. Parce que c'est une espérance. Parce que votre délivrance approche. Quand Jésus va venir nous chercher là, ce sera la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La joie divine sans frein. Les célébrations. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux partir. Hein. Faites tout pour partir avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de ça, les gens pensent que parfois c'est la mort. Non. Et puis même s'il arrive que s'il arrive qu'un enfant de Dieu meurt, la même parole de Dieu dit que lorsque Jésus va revenir, les premières personnes, les premiers élus qui vont récupérer, ils vont sortir du tombeau et ils vont croiser Jésus en l'air. Amen. Avant même que ceux qui sont vivants là, ils les prennent. Yes. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amour insondable de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a un ancien sataniste qui a été converti qui disait que quand ils allaient au cimetière pour déterrer les os, s'ils ont besoin d'un os comme ça sur un corps, ils disent qu'il y a différence entre le corps vide d'un chrétien et puis le corps d'un païen. Ils disent que le corps d'un chrétien, là, il ne peut pas s'approcher de ça. Il ne peut pas toucher les os. Alléluia. Amen. Moi, ça m'a édifié. Mais là, je viens de me rendre compte pourquoi. Parce que quand Jésus va venir les récupérer là, il ne doit avoir aucun os qui est brisé. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. 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 Donc mon frère, ma soeur, c'est pour t'encourager. Alléluia. Amen. Donc lorsque ce monde-là va devenir vivable par la sévérité des mauvais signes à la fin des temps, toi, en tant que chrétien, réjouis-toi. Alléluia. Tu ne dois pas paniquer. Parce que tout ce qui sera grave en bas ici, là, hein, tu ne seras pas là. Amen. Tu ne seras pas là pour vivre cela. Jésus ne va pas permettre ça. Amen. Alléluia. Amen. Ça appartient aux raisonneurs. Ça appartient aux gens qui se sont remplis de doctrines, de mensonges. Ça appartient aux gens. C'est eux qui vont rester sous l'emprise sévère de Satan. Amen. Pendant 7 ans. Pendant que nous, on sera en train de célébrer avec le Seigneur pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Et vers la fin de la série, vous saurez qu'il y a un autre retour de Jésus. Cette fois-ci, quand il va revenir, puisque nous on sera avec lui, il va revenir avec nous et on va régner 1000 ans. Alléluia. Avec nous. Ici sur la terre. Amen. Mais Dieu est tellement amour. Quand j'ai lu la partie, ça dit, quand j'ai lu cette révélation, je me suis dit, mais Dieu est vraiment amour. Parfois l'amour de l'Éternel me dépasse. Alléluia. Amen. Dieu est tellement amour que pendant les 7 ans, quand il va venir enlever son église et il sera avec lui en train de prendre le repas auprès de son Dieu, en train de célébrer auprès de son Père. Pendant ces 7 ans sur la terre ici, lorsque Satan sera en train de régner, Dieu dit, la parole de Dieu dit, il y aura encore une opportunité pour certaines personnes de se convertir. Vous comprenez? Et à cause des tribulations, à cause des difficultés, à cause de la méchanceté, de la sévérité des signes qui vont se manifester sur la terre pendant ce moment-là, sous la colère de l'Éternel. Par exemple, nous serons en joie là-bas avec le Seigneur,
c'est la déprime, ce sera la déprime sur la terre. Amen. Quand je dis va prendre son église, c'est la colère de Dieu qui sera sur la terre. Pour ceux qui ont raisonné, pour ceux à qui on a dit, accepte Jésus qui compte ton Seigneur sur eux. Puis il dit, attends, je vais aller en boîte d'abord. Et puis quand il revient demain, on va continuer la conversation. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Il y a l'enfant de ma coiffeuse. Une fois, ma coiffeuse m'a appelé et elle m'a dit que son fils est en prison. J'ai dit, ok, nous allons prier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, il n'a rien fait. Il s'est retrouvé avec des amis. Je lui dis toujours de ne pas aller dans le city. Mais il aime aller dans le city. Alors qu'ils habitent à Owensville. Hein. Elle a tout fait. Une femme aussi, elle a grandi dans le city. Mais je l'aime beaucoup parce que je vois comment elle s'est débrouillée avec ses enfants. Elle est mère seule. Et elle a 5 enfants. Elle s'est débrouillée avec eux. Elle s'est débrouillée vraiment pour leur donner un standard quand même. Pour ne pas qu'ils retournent dans l'habitude qu'ils avaient dans le city. Donc, mais elle a un fils là. Parfois, quand il demande après, il dit, d'après toi, où il est? Ça dit, il est dans le ciel. Il aime ses amis, alors que ses amis-là, ça va bien. Amen. Parfois, je vois ses amis, il les envoie dans la main. Il n'écoute pas du tout sa maman. Mais la maman, le cœur de la maman est attaché. Ça dit qu'elle est attachée à ce fils-là. Vraiment, elle est attachée à lui. Parmi ses enfants, elle aime tous ses enfants, hein, mais vous savez, il y a toujours, mais elle est beaucoup attachée à lui. Donc, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'il va toujours dans le ciel? Elle dit, ah, non seulement il va là-bas, mais il reste avec des amis. Et les amis-là, parfois, ils font des règlements de compte. Donc, un jour, m'appelait, j'étais au travail, puis il m'a dit, ah, qu'ils ont attrapé l'un des amis de mon fils, là. Mais, comme on dit que, comment on appelle ça, que moi, mon fils, il est toujours là, et puis il se prend pour quelqu'un qui est mieux qu'eux. Donc, ils ont tiré sur lui. Mais Dieu a fait que la balle est rentrée dans sa cuisse. Ça veut dire qu'il a bougé, et puis la balle est rentrée dans sa cuisse. Mais son ami, là, ils l'ont tué. Son ami est mort. On a prié, mais malheureusement, pendant que l'ami était à l'hôpital, alors que l'ami n'a pas de parents, c'est la maman, c'est ma coiffeuse là, c'est des bruits qui les aident un peu, parce qu'ils ont grandi dans la rue. Donc elle a prévenu, on a prié, et puis l'enfant s'allait nettement mieux. Elle était vraiment fatiguée, et j'ai décidé d'intervenir. Donc j'ai pris 3 jours de jeûne. Et puis je suis allée le rencontrer. Je lui ai donné des conseils. Il dit, ok, il a compris. En fait, j'ai senti que c'était pour se débarrasser de moi. Donc il dit, ok, il a compris, il n'y a pas de problème. Quelques temps après, il s'est retrouvé en prison. Donc, quand il s'est retrouvé en prison, elle m'a appelé encore, elle était déprimée. Puis j'ai dit, bon, on va prier. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, demande-lui un habit de cet enfant-là. Puis quand je suis partie, je lui ai demandé, je n'avais pas rendez-vous. Je suis allée, et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, ah, est-ce que quand j'arrive chez toi, hein, je quitte au travail, mais en rentrant, elle est sur la route de mon travail. Je lui ai dit, bon, en rentrant, j'ai fait un crochet chez toi, comme c'est sur la route, mais je veux l'habit de ton fils de l'année. Elle dit, d'accord. Je suis arrivée, puis elle m'a dit, ok, voici son tricot. Puis le Saint-Esprit dit, il faut regarder la vie qu'elle t'a donnée là. Quand j'ai regardé la vie là, la vie était à l'envers. J'ai dit, ah, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, mets ça à l'endroit. Donc quand j'ai retourné la vie là, toute la vie là, quand tu regardes, c'est une ombre de squelette. C'est-à-dire que quand tu regardes là, c'est tête de squelette. Mais si tu ne regardes pas bien, c'est-à-dire que c'est comme la tête bouge. C'est un, comment on appelle ça, mais fort, HD, comment on appelle ça? 4G, c'est ça, non? Non, pas 4G, comment on dit là? 3D. Voilà, ça dit que ça fait comme 3D. Ça dit que quand tu regardes là, c'est comme l'image bouge sur son tricot. Et puis cet esprit m'a dit que ça là, je ne peux pas partir à la maison avec. Puis je lui ai dit, mais il n'y a pas autre habit. Et puis elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit, tu sais, ton fils là, quand il va sortir, elle dit, mais rien ne prouve même qu'il va sortir. J'ai dit, il sortira. Quand il va sortir, il faut éviter qu'il porte ce genre d'habit. Elle dit, mais c'est tout ce qu'il porte. Tout ce truc là, il faut qu'il y ait au moins un peu de. Faites attention aux habits que vous portez. Faites attention aux signes qui sont sur les objets que vous mettez sur vous. Ça, c'est une parenthèse. Si Satan ne sait pas comment il va attraper un enfant de Dieu, s'il veut te garder là, il peut mettre un objet dans ta maison qui est une antenne. Vous, tout ce que vous achetez là, priez dessus. Priez dessus, invoquez le sang de Jésus dessus. Mais si les signes sont clairs, sont obvious, ce n'est pas la peine. Même si tu aimes ça, évitez tout ce qui est crocodile, qu'on appelle ça peau de croco, la mode là, faites attention à ce que les gens vendent. Amen. Amen. Tout ce qui est print, tout ce qui est animal print, si c'est animal print là, mais je vais avoir un esprit de tigre. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Il y a des avant que tu pries dessus, mais c'est mieux d'éviter. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je sais ce que je dis parce que j'ai fait les délivrances. Il y a eu même une veillée ici où un jour, nous avons fait une délivrance et puis il y avait une maman qui avait porté un pain. Et le Saint-Esprit me dit, regarde son pain. Quand il a regardé son pain, il y avait un serpent qui bougeait sur son pain.
Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, les motifs qui sont sur son panier, là, il y a 7 ans déjà. On a prié pour elle ce jour-là. Elle a été délivrée. Amen. Donc, je reviens sur le témoignage du fils de ma coiffeuse. Et c'est comme ça qu'il est, comment on appelle ça? Il allait en prison. Quand j'ai fait, il m'a dit, bon, il a son jean qu'il a porté avant même de partir. Il s'est changé avant de partir d'Assaël. J'ai dit, je préfère le jean. Et c'est comme ça que le jean, sur mon premier temps, 3 jours de jeûne. J'ai prié, j'ai envoyé l'esprit de Dieu. En tout cas, Dieu a fait grâce. Parce que ma coiffeuse a même là, je vais la convertir bien. Elle a déjà venu à l'église ici une fois. J'ai bien la convertir. Donc, quand on a commencé, quand j'ai commencé à prier pour l'enfant, le Saint-Esprit m'a dit, faut briser son raisonnement. Faut briser son raisonnement. Donc, j'ai brisé son raisonnement. J'ai brisé tout ce qu'elle avait. Le lendemain, elle m'a appelé, elle dit que celui qui a tiré sur son fils là, hein, la cellule de prison dans laquelle on a mis son fils là, ils sont venus mettre le monsieur là-dedans. Ils l'ont trouvé, et puis le même monsieur qui a terrorisé son fils là, les deux sont dans la même cellule de prison. Donc ma coiffeuse, elle ne fonctionnait pas. Elle dit que son fils l'appelle, il ne fait que pleurer. Donc l'Esprit de Dieu m'a envoyé la parole de Daniel, que tu peux être dans la dinde au lion, et puis les lions ne vont pas te toucher. Alléluia. Et j'ai partagé ça avec elle. On a prié, et puis elle a dit que nous fermons la bouche de ce monsieur là. Mais comme elle était paniquée, elle n'avait pas vraiment la panique. Elle ne fonctionnait pas même. Vous savez, la peur, là, ça panique. Donc, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, toi, tu peux le faire. Il faut le changer de cellule. Il faut l'enlever là-bas. Il faut l'enlever dans cette cellule-là. Que la puissance du Saint-Esprit l'enlève dans cette cellule. Amen. Le lendemain, ma père dit qu'on dit qu'il a mal à la tête. Il dit qu'il a mal à la tête. Vous avez la peur paralysée. Là, on commence à vomir, il a mal à la tête. Donc, à cause de ce lieu, il est tombé malade. Vous savez, Dieu, il permet certaines choses. Amen. Il y a des maladies qui sont là pour te sauver. Amen. Pour te faire transiter. Amen. Alléluia. Amen. Elles sont passagères, elles ne sont pas là pour te tuer. Donc, c'est comme ça qu'il est tombé malade dans la cellule. Donc, ils étaient obligés de l'enlever. On ne sait pas ce qu'il avait. Donc, pour ne pas que ça contamine les gens, on l'a enlevé. Et maintenant, il était seul dans sa cellule. Amen. 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 Et elle m'a dit, maman, il faut demander au Seigneur s'il peut sortir avant les fêtes. Je dis, la seule condition, c'est que s'il sort après les fêtes, là, tu l'envoies chez moi pour que je lui parle de Dieu. Elle dit, il n'y a pas de problème. Dieu est merveilleux. Amen. Quand Dieu veut glorifier son nom, là, Dieu est tellement amoureux que quand quelqu'un ne le connaît pas, là, il fait les bénédictions rapidement. Alléluia. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ça c'est une opportunité pour toi. Toi-même tu aimes les choses comme ça. Glorifie ton Seigneur, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas mes prières. Pour que toute sa famille soit convertie. Amen. Donc c'est comme ça qu'il a une chose, qu'on appelle ça, on a prié et l'enfant est sorti. Amen. Voilà, quand l'enfant est sorti, il est sorti avant les fêtes de Noël. Mais quand il est sorti, pourquoi vous l'étiez décédé? Donc elle ne pouvait pas rentrer en contact avec moi. Et puis j'étais là, l'Esprit de Dieu m'appelle pour quand après les funérailles enterrement sont, j'appelais, j'ai dit, mais là, elle dit, elle a lui sorti, mais comme le serviteur de Dieu avait été rappelé auprès du Seigneur, je ne voulais pas t'en aider. J'ai dit, ok, je dois venir lui parler. Parce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de lui parler de lui avant de rentrer dans la nouvelle année. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc c'est comme ça que je me suis déplacée hein, ce jour-là. Elle m'a appelé, elle m'a dit non, à cause de tout le stress que j'ai traversé, elle me fait mes cheveux cadeaux. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je vais venir, mais je viens pour l'aide. Elle dit d'accord. Donc je lui ai fait tout pour que ça à la maison. Elle dit, bouge même pas. Ok. Donc je suis allée. Et j'ai demandé après lui, il dit l'obèse même. C'est ce point-là que je vais faire. Fallait que je vous explique le reste pour que vous compreniez ce qui va se passer. Je suis allé dans l'obèse, mais il était assis. D'abord, même quand je suis descendu, il m'a regardé de la tête au pied. Il me connaît. Là, il me voit, mais les autres me saluent et tout ça. Mais lui ne me salue pas. Ça vous montre déjà hein, les démons qui discernent l'Esprit de Dieu. C'est un esprit, ça n'a rien à voir avec l'enfant. Amen. Donc, je suis allé m'asseoir et il dit WhatsApp. J'ai dit WhatsApp with YouTube. Tu sais, les petits américains, il faut savoir comment les parler. Carrément, c'est une grande personne qui me demande WhatsApp. Il dit WhatsApp, vous dites tout. Donc, ça l'a cassé un peu, tu vois, non? Donc, je me suis assise et puis je dis, bon, can I talk to you? Il dit, il y a un moment, c'est you want to talk to me. Il dit, ok. Je dis, vraiment, je vais te dire merci. Merci parce que tu n'étais pas obligé de me recevoir. Tu n'étais pas obligé d'accepter ce rendez-vous-là. Mais quand tu étais en prison, on a prié pour toi. Je suis venu à son pantalon. Il dit, voici ton pantalon, Jimmy. Il dit, this is yours, right? Il dit, oui. J'ai dit, on a prié avec ça. Pour que le Saint-Esprit, pour que Jésus te fasse grâce. Vous savez, il faut dire la vérité aux gens. J'ai dit, c'est pour que Jésus te fasse grâce. Donc, Jésus, là, il revient bientôt. S'il revient, que lui qui t'a fait grâce, là,
Si tu n'es pas du bon côté, c'est que tu penses que tu as vécu en prison, puis tu nous as appelé matin, midi, soir, tu as commencé à vomir là. It's going to be worse. J'ai dit, moi, je suis là. Il me dit, you have an accent. Il dit, oui, j'ai un accent. J'ai dit, c'est une raison de plus pour que tu fasses attention. J'ai dit, moi, tu ne connais pas. C'est vrai que je viens de l'Afrique. Toi, tu es américain, il dit, oui. J'ai dit, ça veut dire que Dieu, là, il te veut vraiment. Parce que où tu es là, tu te dis, mais celle-là même, c'est qui me met bien son accent. Et puis, elle me parle de Jésus. Elle fait ceci. Ça veut dire que Dieu te veut vraiment. Donc, oublie mon accent. Oublie d'où je viens. Oublie la manière dont je suis. Mais il faut écouter le message que je te donne. Donc après tout ce que je te dis là, est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Amen. Amen. Vous avez ce qu'il a dit? Il m'a regardé, il dit, how about later? J'ai dit later. Oui, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, how about later? J'ai dit later when? Il dit, how about after the holiday? J'ai dit non. J'ai dit, let me tell you why. Je pouvais venir te prêcher Jésus après les fêtes. Mais il m'a mandaté pour venir te parler de lui avant les fêtes. Toi, tu peux savoir ce qui va se passer. Toi, tu penses que tu as traversé les fêtes. Est-ce que tu sais si tu vas passer les fêtes? Il dit, ok, Kana, il me dit, est-ce qu'il peut avoir un peu de temps pour penser à ça? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je lui dis, non, je t'appelle quand? Il dit, bon, moi, j'ai appelé. Il dit, tu n'as même pas mon numéro de téléphone. Il dit, que j'ai demandé à ma maman de t'appeler. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus maintenant? Il dit, ne sais pas. Je lui dis, ok, je vais prier pour toi, tu vas savoir. J'ai enflammé. Est-ce que je l'ai calculé? C'est un enfant de 18 ans. Si la tronche là, c'est 19 ans. Et j'ai enflammé sur lui, je ne me suis même pas occupé de lui. Si il savait. Les esprits qui ont commencé à se manifester, il était américain. J'ai prié, il est tombé. Il est assis sur son lit. Quand il descend dans le basement, son lit est là. Il est tombé sur son lit. Donc j'ai appelé ma coiffeuse, j'ai dit, viens, on va prier sur ton enfant. La personne est revenue à lui-même. So, what happened? J'ai dit, non, nothing happened. Let me know when you want to accept me because I'm not going to leave you alone. Vous comprenez? Il y a des moments, la fois, je suis comme tasant sur les gens. Surtout quand ils n'arrivent pas, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Vous comprenez? Surtout quand vous voyez que la mort tourne autour d'eux. Un jeune enfant, peut-être qu'il va changer sa génération. Amen? Amen. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Le point que je voulais faire là. Si on dit après, oh yeah, j'ai appelé sa maman après ça. Depuis lors, je ne suis plus reparti là-bas. Quand il a fini de prier. Donc, dernièrement, j'ai appelé sa maman. Je demande plus tard, toujours après lui. Elle dit, il est reparti dans le site. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, maintenant, c'est devenu un fardeau pour moi. Je suis obligé de prier parce que je ne sais pas ce qui va lui arriver. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, là, on peut insister. Mais faites votre part. Amen. Oui. Faites votre part. Il faut que nous parlions de Jésus. Parce que Satan manipule la pensée des gens. Et ils pensent que les gens pensent que ce sont des ce sont des fables, que Jésus ne va pas revenir. Mes frères, mes soeurs, Jésus là, il revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Il revient bientôt. Et ce sera une joie pour nous. Mais de la même manière, c'est une joie pour nous. Cet enseignement, c'est pour que tu sois conscient qu'il faut que tu parles de Jésus à tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même si tu es parti, que ton cousin est resté, il va rester dans le règne de Satan. Ce serait des tribulations atroces. C'est ça qui doit être notre fardeau. Sinon, nous concernant là, n'ayez pas crainte. Tout ce qui va se passer derrière ici là, on ne va pas participer à ça. La colère de Dieu qui va s'abattre ici pendant 7 ans là. Nous, pendant ces 7 ans là, nous serons en train de régner avec Christ. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous réjouir et nous devons demeurer l'épouse de Christ. Parce que si tu ne deviens pas l'épouse de Christ là, quand il revient là, il revient pour ses élus. Il faut que tu sois toujours dans la catégorie de ses élus, c'est-à-dire d'un enfant de Dieu averti et un enfant de Dieu qui vit dans la sanctification. Alléluia. Amen. Faut pas rater ton prix. Amen. Amen. Pareil au moment de Noah, comme je disais là, hein, quand Noah était construit là, les gens se moquaient de lui. Les gens buvaient, les gens étaient dans l'impudicité, les gens étaient dans les animosités, dans les bestialités. Ils faisaient n'importe quoi. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Quand les gens faisaient n'importe quoi, là, hein, il y en a même qui disaient, mais ce noir là, il est malade ou bien quoi. Parce que quand ils regardaient les signes dans le temps, eux, ils ne pouvaient pas savoir que ce que Noah avait dit, là, que Dieu a dit qu'il va envoyer le déluge. Eux, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, donc ils vaquaient à leurs occupations habituelles. Ils étaient de plus en plus ancrés dans le péché. Ils étaient de plus en plus incrédules.
Et avant qu'il s'en rende compte là, qui a été sauvé? Noé a été sauvé, lui et sa famille. Amen. Noé a été sauvé, lui et sa famille. Et les autres, maintenant, c'était trop tard. Il y en a qui tapaient, il y en a qui voulaient monter maintenant dans l'arche. Non. L'arche était déjà fermée. Amen. L'arche était déjà fermée. C'est comme les sept vierges folles, comme Chopin a passé à côté prêcher la dernière fois. C'est pareil que les sept vierges folles et puis les sept vierges sages. Au moment où elles sont revenues là, quand l'époux était déjà dans la maison, elles ont tapé à la porte, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous connais pas. Amen. Il a dit, je ne vous connais pas. Il sera déjà trop tard. Nous serons déjà partis avec Jésus. Mais comme je disais, Dieu est tellement amour que même pendant les sept ans de règne de Satan sur la terre ici, là, la grande tribulation, là, pendant ce temps-là, vous savez ce qui va se passer? Plusieurs personnes vont se convertir. C'est-à-dire que Dieu va donner encore la grâce, un Dieu de grâce, pour permettre aux gens de le connaître, puisqu'il va revenir pour régner avec nous encore ici-bas, pendant 1000 ans. Vous comprenez? Donc pendant ce temps-là, ceux qui n'ont pas connu Jésus, à cause de ce qu'ils auront assisté au fait que les chrétiens sont montés, il y en a qui sont comme Thomas, ils veulent voir, ils croient. Donc pendant ce temps-là, plusieurs personnes vont se convertir plus qu'avant, parce qu'ils auront vu la souffrance qui sera en train de traverser pour ne pas rater la deuxième venue de Christ. Vous comprenez? Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. 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 Pareil aussi pour Lot. Quand Lot a quitté Sodome et Gomorre, il y avait le péché dans Sodome et Gomorre. Oui, Sodome et Gomorre, merci. Voilà, Sodome et Gomorre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur lui a dit de sortir. C'est-à-dire que Dieu l'a sauvé de... Dieu l'a sauvé de là parce qu'il voulait envoyer le feu, il voulait consumer, il voulait détruire la ville de Sodome et Gomorre. Et avant qu'il ne s'en rende compte, qu'est-ce qui s'est passé? Même la femme de Lot qui a regardé en arrière. Elle lui dit, tu regardes en arrière, pourquoi? Qu'est-ce que tu regrettes derrière? Alléluia. Amen. Faut pas regarder derrière. Il faut que tes yeux soient fixés sur la venue de Christ, le retour de Christ. Amen. Le monde est derrière, n'a rien à te donner. Tout ce qu'il y a dans le monde, là, c'est éphémère. Alléluia. Ouais. Éphémère. Tu n'es pas que tu restes sur la route. Je bénis le nom du Seigneur. Ouais. Dieu est papa. Je vais vous donner un dernier témoignage avant de conclure. Comme ça, la prochaine prédication, nous allons rentrer plus dans les détails. Alléluia. Ouais. J'avais fait un rêve, un soir, j'avais fait un rêve. Et ce rêve-là, j'ai vu une personnalité, une grande personnalité, ici aux États-Unis. Une personnalité africaine, ce que je précise, mais qui vivait aux États-Unis. J'ai fait un rêve sur la personnalité-là, out of the blue. Et puis cette personnalité, j'ai vu qu'elle était décédée. Et le funérail se faisait dans un grand stade, un grand lieu. Et je vois que sa famille, c'est-à-dire que la femme, et puis les enfants sont derrière le cortège. Et le cortège était un cercueil, le cercueil était là. Et je me rends compte que le cercueil était transparent. Maintenant, dans le cercueil là, il me voit. C'est-à-dire que la personne qui est couchée dans le cercueil là me voit dans les tribunes. Et c'est comme si la personne me fait signe. Donc, quand la personne me fait signe, moi je regarde en arrière. Et puis quand je regarde, la personne fait comme ça. Puis il fait ça. Puis la personne dit. Et j'entends. C'est-à-dire que quand la personne parle, j'entends ce que la personne dit. Quand bien même il y a une distance, hein. Parce que ça faisait comme si elle était dans les tribunes. Et puis la personne dit, faut intercéder pour moi. Si toi tu intercèdes pour moi, je vais me relever. Je ne suis pas mort. Ils m'ont enfermé ici, sinon je ne suis pas mort. Et sa famille pleurait derrière. Moi, ça m'avait choqué. Je me suis dit, ah, le monsieur est vivant et puis tout le monde. Donc je regarde les gens qui sont autour pour voir si se rendent compte qu'il est vivant. Mais effectivement, personne ne se rend compte. Et dans le rêve, dans le même rêve, j'ai levé la main puis j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Fais tout pour que les gens se rendent compte qu'il est dans ce que la main, il est vivant. Toi, tu peux l'enlever. J'intercède. Fais quelque chose, Seigneur. Alléluia. Amen. En priant, là, ma manière d'intercéder, j'intercédais tellement fort que dans mon rêve, je pleurais puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, là, j'ai réveillé le serviteur de Dieu. Je dirais, papa, où? Puis il lui a expliqué. Puis il a dit, ah, il faut qu'on prie. Donc pendant qu'on a prié pour ça,
s'est recouché, moi, je n'avais plus sommeil. Parce que le rêve, c'était comme si j'avais vécu ça. Donc, je suis sortie, je suis allée au salon. En ce moment, on était dans un appartement. Je suis allée au salon, puis j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse de ce que tu m'as montré? Ah, ça. Il dit, appelle la femme du monsieur et puis dis-lui ce que tu as vu. J'ai dit, quoi? Moi, je dois appeler la femme du monsieur. J'ai dit, ok, je vais passer par mon pasteur. Et puis le pasteur maintenant va appeler cette autorité-là. Et puis il va lui transmettre le message. Et puis le Seigneur dit, j'ai dit, appelle la femme du monsieur. Et puis voilà. Amen. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'avant que je ne voie la scène où il était dans le cercueil, je l'avais vu avec quelqu'un. Je l'avais vu avec une dame. Une dame cheveux courts. Vous savez, il y a des femmes qui font cheveux courts et puis elles teignent ça en blonde. Voilà. Genre comme la coiffure de Dani. J'ai vu une femme comme ça. Une belle femme. Bien. Elle était à côté de lui. Au moins, elle connaît sa femme. Donc, quand il a vu la femme, je n'ai pas eu d'arrière-pensée. Parce que je me suis dit que c'est une personnalité. Il peut connaître des gens. C'est pas rentré dans ma tête. Et puis c'est après ça que j'ai vu la scène de choses, quand il était dans les secrets. Donc je n'ai pas fait le rapprochement. Maintenant, quand le Seigneur m'a dit, va raconter à sa femme tout ce que tu as vu. J'ai dit, mais Seigneur, comment moi je peux dire à quelqu'un qui a vu ton mari dans le secret? Il dit, non, ce n'est pas par ça que tu vas commencer. Tu vas commencer par la première scène que je t'ai montrée. La femme que tu as vue à côté de lui va tout dire à sa femme. Je ne suis pas allé au travail, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Je ne suis pas allé au travail. Donc, tu ne peux pas me dire, mais tu ne peux pas aller au travail. Je dis, non, moi, je ne peux pas aller au travail. J'ai mal à la tête. Il dit, comment ça? Je dis, voici ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, mais tu seras. Je dis, mais je n'ai même pas le numéro. Ou moi, j'ai enlevé le numéro. Il dit, moi, il peut avoir le numéro. J'ai dit, tu as dit, puis il s'est débrouillé. Il a eu le numéro de la dame. Il a eu le numéro de la personnalité. Puis il a eu le numéro de la femme de la personnalité. Il m'a dit, ah, maman, voici le numéro. Hein. La balle est dans ton camp. Moi, je ne peux pas parler à ta place. J'ai dit, attends, si tu peux introduire. Non, moi, je ne suis pas dedans. Donc, j'ai prié, et puis j'ai pris mon courage, j'ai appelé la maman. Puis j'ai dit, maman, pour parler, mais j'avais des problèmes. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai déversé, c'était m'a dit, décris la femme. Voici comment elle a dit, décris la femme. Puis j'ai décrit la femme, elle dit, Dieu te parle. Elle dit, je suis là, il y a des problèmes, je suis fatiguée. La femme personnalisée, elle a commencé à se comprendre, elle dit, je suis fatiguée. La femme que tu as vue là, elle me fatigue. Elle fatigue mon foyer. Donc, voici ce que je te conseille. Je vais m'enlever au milieu. Tu vas appeler l'autorité et tu vas lui donner le message. Et dit, maman, pardon. Toi, il faut lui donner le message. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler. Elle dit, non. Moi, je suis dans un moment de jeûne. J'ai demandé au Seigneur de me parler et de me révéler les choses cachées. Et Dieu, parce que moi, la fois, je la connais physiquement. Mais Dieu te l'a montré. Mais ce que tu as vu là, il y a la mort devant. Donc, c'est toi qui dois parler de ce que Dieu t'a révélé. J'ai dit, maman, elle passe son livre. Elle dit, je te donne son direct. J'ai prié. Ça a été une journée difficile pour moi. Ça a commencé comme ça, mais vous allez voir la fin. Et c'est un bon exemple par rapport à Jésus, il revient bientôt. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que j'ai appelé cette personnalité-là. J'ai dit bonsoir, papa. J'ai dit bonsoir, il dit c'est qui? Il dit ah, c'est moi. Puis j'ai dit, voyez pas bien. J'ai dit, j'ai décrit un peu. Dès que j'ai dit papa, on lui dit ah, que lui, je vois monsieur. Oui. Et puis je lui ai dit, de la femme jusqu'à tout. Humilité est tombée sur le monsieur. Moi, j'étais sidéré. Il dit, ma fille, Dieu a dit d'intercéder pour moi. Il faut intercéder pour moi. Toi et ton mari, intercéder pour moi. J'ai dit, d'accord, papa, il n'y a pas de problème. Donc, il n'a pas nié, il n'a pas dit quoi que ce soit. Mais la mission que le Seigneur m'avait chargée là, lui maintenant, écoutez, hein, lui maintenant là, il me donne la permission d'intercéder pour lui. J'ai dit, j'ai compris, puis j'ai raccroché. Donc, on m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué. Il dit, bon, on va prier. Comme tu n'es pas parti au travail, il faut qu'on prie sérieusement. On a commencé à prier, on priait. Ça s'est passé le matin. Très tôt le matin, donc de 10h jusqu'à midi, premièrement on a pris, midi 30, le téléphone de papa Oulu a sonné. C'était la femme de la personnalité. Elle dit, serviteur de Dieu, ça là, ça est dans votre main.
Mon mari s'est levé, il est parti quelque part. Je lui ai dit de ne pas sortir, de ne pas partir. Il s'est déplacé, il est parti. Où il est parti là? Il est tombé, il est venu et ils sont en route pour l'hôpital. Je m'apprête à prendre 911 pour partir à l'hôpital. Et puis papa, rien ne va lui arriver. Nous allons prier. Alléluia. Et nous avons intercédé, nous avons prié. Et Dieu merci, il s'est retrouvé là, juste eu un mal au cou. Ils ont mis sa tête dans comment on appelle ça, la civière du cou là, pendant un moment, jusqu'à ce que tout rentre en porte. Le point que je vais faire, c'est que dans la même nuit, j'ai fait un deuxième rêve où j'ai vu que c'est comme le Seigneur nous enlevait. Alléluia. Je n'ai jamais rêvé sur enlèvement, mais la seule petite partie où j'ai rêvé sur enlèvement, là, j'étais sidéré de ce qui montait. Donc j'étais là. Ça dit, c'est comme mon pâteau montait. Je me sentais flotter, c'est comme mon pâteau montait. Et puis je fais ça. Je vois la personnalité là. Donc, au lieu d'être content de monter, j'ai commencé à me dire, Seigneur, lui là aussi. Voici comment j'ai dit. Il faut dire, j'ai dit, Seigneur, lui là aussi. Et c'est ce que tu m'as montré là. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, il s'est repenti. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il s'est repenti. Dieu est amour, mes frères. Pourquoi je suis en train de terminer? Hein? Je vais faire ma conclusion avec ce témoignage-là. Hein? Si tu vois que tu n'as pas marché directement avec le Seigneur, Dieu est tellement amour qu'il ne il veut pas te laisser mourir dans ton péché. Alléluia. Il ne veut pas te laisser mourir sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Il ne veut pas revenir pour enlever ses élus sans que tu ne fasses partie de ces élus-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Dieu est Dieu. Hein? Est-ce que vous savez que Dieu est Dieu? Amen. Donc ma conclusion, c'est que si Jésus a promis, c'est qu'il va le faire. Amen. 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 Jésus a promis, c'est qu'il va le faire. Amen. Ne crée rien, quels que soient les signes qui sont en train de se manifester. Ne crée rien. Au contraire, tu dois te réjouir. Alléluia. Tu dois te réjouir, il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que votre gloire approche. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne serons pas là pour vivre. Ce que, si vous pensez que le coronavirus est comment on appelle ça, c'est grave en ce moment-là. Mais ce qui va venir après le fait que Jésus vient nous chercher là, ce sera pire. Alléluia. Ce sera pire. Lisons notre Bible. Lisez votre Bible. Mais ce ne sera pas notre partage. Alléluia. Amen. Ce sera pire, mais ce ne sera pas notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet enseignement-là, c'est pour que cette série-là, c'est pour que tu te prépares au retour de Christ. Même si on ne sait pas quand ce sera, il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est vrai que beaucoup m'ont dit, depuis... les disciples ont commencé à prêcher là. Oh, vous les chrétiens, là, votre affaire de Jésus revient bientôt là. Quittez devant nous. Ça va, c'est à leur grand surprise, ça va se passer comme Noé. Comme Noé. Amen. Ça va se passer comme Noé. Devant eux là. Noé a construit l'arche, il est monté dedans. Jusqu'à ce que c'est maintenant, quand tout est fermé, que le déluge a commencé là. C'est là, ils vont courir trop tard. Alléluia. Amen. Si tu aimes quelqu'un qui est autour de toi qui ne connaît pas Jésus, mon frère, qu'à travers cette série là, que ça devienne un fardeau pour toi. Pour toi, là, c'est déjà réglé. Tant que tu demeures dans la parole de Dieu et que tu vis dans la sanctification, quand Jésus reviendra, quand la tempête va sonner là, il partira avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il partira avec toi. Nous allons souper avec lui dans son royaume, auprès de son Père, dans la place qu'il a prévue pour nous, dans la place qu'il a préparée pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je disais, recevoir Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons prêts. Il faut que nous vivions dans la sanctification. Alléluia. Donc en fait, cette première partie de cette série-là, c'est pour encourager les chrétiens, hein, à proclamer Jésus. À introduire Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Pour que ceux-là aussi puissent le recevoir. C'est-à-dire l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. 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 Je dois t'élever, nous allons. Amen.
Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est un message simple. Hein. J'essaie de simplifier ça comme je pouvais. Mais Dieu merci, c'est une série. Ça, c'est la première partie. Alléluia. Nous allons parler de ce qui va se passer avec Jésus pendant les 7 ans. Nous allons régner avec lui prochainement. Et puis pendant ces mêmes 7 ans là sur la terre, ce qui va se passer sur la terre. Nous allons parler de ça dans les autres parties. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, revoyons notre vie. Si nous pensons que nous marchons, si Jésus devait revenir à l'instant, est-ce que nous serions prêts? Alléluia. Si Jésus devait revenir dès que nous finissons le culte là, est-ce que nous serions prêts? Même un petit bobo. Dieu merci cette personnalité là. Dieu m'a montré. Moi j'avais jugé la personne. Dans l'enlèvement, j'ai osé juger quelqu'un que Dieu était en train d'enlever. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Mais simple juger là, ça pourrait faire qu'il pourrait rester. Où j'étais même pendant que je voyais les autres monter, où il était. Amen. Parce qu'il était plus, un peu plus en haut que moi, c'est comme ça qu'il l'a vu. Donc moi-même là, je ne connaissais pas ma position, c'est ça qui est la vérité. C'est vrai, c'est dans le temps. Alléluia. Mais quelqu'un que moi j'ai vu, Dieu m'a montré le péché, puis la personne avec qui il péchait. La personne était en train de monter auprès du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai interrogé le Seigneur, il m'a dit qu'il s'est repenti. Non, Dieu a amour, mon frère. Alléluia. Tu as compris? Faut pas te condamner, faut pas avoir peur. Son amour est merveilleux. Amen. Donc repentons-nous pour que si jamais, hein, dans quelques instants, si Jésus devait revenir, que nous serons tous prêts à partir avec lui comme ses élus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Repentons-nous d'abord. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Dieu grand, Dieu fidèle. Dieu excellent, Dieu extraordinaire. Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis même pas digne d'être dans ta présence. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans mon comportement, dans mes actes, dans mes paroles. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Dans mes pensées, l'Éternel, même dans mes pensées, l'Éternel, je te demande pardon. Seigneur, nettoie-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, l'Éternel. Sanctifie-moi, l'Éternel. Seigneur, aie pitié de chacun de nous. Aie pitié de chaque membre de CDC qui est ici présent ou qui est connecté en ligne. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, que rien ne forme un blocage, Éternel Dieu Tout-Puissant, dans ma vie qui va m'empêcher, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'expérimenter, Éternel Dieu mon roi, ton retour, parce que je veux partir avec toi lorsque tu reviendras. Seigneur, que ton sang nous lave, ton sang nous purifie, ton sang nous nettoie, Éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre aide. Alléluia. Amen. Jésus a dit avant de partir qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Mais qu'il va envoyer son Esprit Saint pour changer. C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous sera envoyé comme une aide. Il sait que dans ce monde-là, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Mais il sait qu'il y a des tribulations. Il sait qu'il y a des influences. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc, quand tu vois que c'est difficile pour toi de résister à cette tentation, demande l'aide à ce Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là à ta disposition. Les anges de Dieu sont là, surtout quand tu te répands, quand tu te repositionnes dans l'identité que Christ t'a donnée en tant que co-héritier avec ton Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, tu vas prier. Tu vas prier, demander au Saint-Esprit de t'aider à ôter tout ce qui cherchera à former un blocage. Et qui va t'empêcher de rater, qui cherchera à t'empêcher le retour de Christ. Tu ne dois pas rater cette gloire-là. Alléluia. Amen. Prions ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu mon roi, je bénisse ton saint nom. Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants, Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur. Papa, dans chacun de nous, chacun de tes enfants ici présents, ceux qui sont connectés en ligne, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions, Éternel Dieu mon roi, pour que tout ce qui chercherait à être un blocage dans leur vie, Éternel Dieu mon roi, dans chacune de nos vies, tout ce qui chercherait à nous empêcher, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'expérimenter ton retour, nous voulons être enlevés avec toi, Éternel Dieu mon roi, lorsque tu reviendras, nous ne voulons pas rater cet enlèvement, nous ne voulons pas rater, oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est un moment de gloire. Avec toi, l'Éternel, dans ton royaume, l'Éternel Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas rester si bas, sous l'emprise de Satan pendant 7 ans, l'Éternel. Et Père de Tout-Puissant, quand bien même nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, l'Éternel Dieu, mon roi. Mais cet Esprit de Dieu, apprends-nous à vivre selon les voies de l'Éternel. Apprends-nous à demeurer dans le commandement de notre Seigneur.
nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le dernier point que je vais vous donner, si vous avez des enfants, priez pour eux. Alléluia. Je continue de faire des recherches dessus, mais ce que j'ai pu trouver pour l'instant, c'est que Dieu, quand Jésus, quand il va revenir, effectivement, il va enlever les enfants. Il ne juge pas, il va enlever les enfants. Mais les enfants de jusqu'à 13 ans. Alléluia. Parce que vous avez remarqué, quand Jésus était dans le temple, à 13 ans, bien 12, je crois 12 ans. 12 ans. Donc, à partir de 13 ans, même dans la loi juive, à partir de 13 ans, un homme et une femme, ils sont déjà des hommes et des femmes. Dans la loi juive, on les bashmi, faou, comment ça s'appelle. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'à partir de 13 ans déjà, un enfant est déjà considéré comme un homme. Mais il est de la pour moi, hein, il est de la responsabilité des parents d'enseigner cet enfant-là. Les enseignements que vous recevez, enseignez ces enfants-là pour ne pas qu'ils ratent l'enlèvement. Alléluia. Surtout s'ils ont à partir de 13 ans et plus, alléluia, qu'ils connaissent Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Prions pour les enfants. Oh, Seigneur, nous prions pour nos enfants. Éternel Dieu, mon roi. Ceux qui ont à partir de 13 ans, éternel Dieu, mon roi. Donne-nous la sagesse, Père de Tout-Puissant, de les élever dans tes voies. Même depuis qu'ils sont petits, aide-nous à les élever dans les voies de l'éternel. Afin que lorsqu'ils grandissent, ils ne s'éloignent pas du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient ancrés dans la parole de Dieu, Seigneur. Donne-nous de faire le programme à la maison de l'éternel, afin que nous enseignions nos enfants, afin qu'ils connaissent notre Dieu, l'éternel Dieu, mon roi, afin qu'ils voient le bienfait de Christ, l'éternel Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, que notre vie soit un témoignage pour nos enfants, que nos enfants cherchent à reconnaître en Dieu comme le Seigneur et le Sauveur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, chaque enfant de CDC, chaque enfant de chaque personne qui est connectée en ligne ce matin, que la puissance du Saint-Esprit nous aide à élever nos enfants dans les voies de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la protection divine soit autour de nos enfants. Qu'ils ne se retrouvent jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Qu'ils soient protégés partout où ils vont. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit, amen. Alléluia. Asseyez-vous là. Présence du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Sois béni. Amen. 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 On acclame le Seigneur pour notre maman. Maintenant, nous allons passer à ce que nous avons mis de côté pour le Seigneur. I did all the time.
D'abord par